bonjour, bonjour, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Nouvel épisode de The Last of Us Part 2. On continue, on s'est arrêté juste devant une bouche d'aération. Vous l'avez senti, vous l'avez tous senti. Ça sent mauvais, ça sent extrêmement mauvais. Je dis pas ça parce qu'on est dans un sous-sol, non. Je dis ça parce qu'à mon avis, on va s'en prendre une. On va pas la voir venir. Du coup, écoutez, on perdra plus de temps, on y va tout de suite. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve la suite du jeu. Un autre puant? Un puant? C'est bon, je m'en occupe! Allez! Tirez! Ok. Donc c'est pas un boss, mais c'est une nouvelle race, un puant. Ouais, pas moi non plus. Donc là, on va pas faire les thugs. On va pas jouer. Écoutez, on va pas faire les Américains. Et on va vraiment jouer discrétion, d'accord? Mais en fait, je peux même pas les assassiner discrètement, en fait. Je peux pas. Enfin, les gars, ils explosent si je les assassine discrètement, en fait. Oh, c'est la merde. Comment est-ce que je me débarrasse de ça? Oh la vache! Oh, les gars! 1, 2, 3, 4! Ouais, sans déconner! Ils sont aveugles ou pas, eux, par contre? C'est ça la question. On les connaît pas, donc on sait pas. Oh, est-ce que je peux les tuer furtivement? J'en ai aucune idée. J'ai pas d'infos, les gars, j'ai pas d'infos. Je peux pas. Y'a pas écrit saisir. On va crever, on va forcément crever une fois pour comprendre. Les infectés ne voient pas votre lampe torche, d'accord. Est-ce que je peux le saisir ou pas? Je peux pas. Je peux pas le tuer. Là, c'est la merde parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit je la joue discrétion, mais je dois pas en toucher un seul en fait. Soit j'en tue un, mais si je le tue, tout se ramène en fait. Tout se ramène. Ok, par contre, il y a des coureurs. C'est pas que des puants. Oh merde. Non, t'approches pas. Non. Faites qu'il soit aveugle. Oh oui, il est aveugle. Putain de merde. Oh, c'est la merde. C'est horrible, c'est dégueulasse. Oh, je suis devant son cul, quoi. Enfin, il y a un moment... Il faut que je me débarrasse des coureurs. C'est eux les plus dangereux. Oh merde. Oh merde. Oh merci, Dina, putain. Hey, Dina, putain, t'es le sang, meuf. Mais je me marie avec toi quand tu veux, y'a pas de soucis. Le sang, cette meuf, le sang. C'est la famille, je suis désolé, c'est la famille. Putain, ah ouais, non, j'ai pas le choix, en fait, parce que non, je pourrais partir, mais en fait, si j'active ça, ils vont me choper. Donc j'ai pas le choix, faut que je les élimine. Ok, d'accord. Oh oui, oh, attendez, oh, j'ai une idée. Oh, ça me plaît beaucoup, ça. Les gars! Wouhou! Viens frérot, viens seulement. Oh, dégage! Ok. Oh la vache! Ça a pas tué? Ok, c'est bon. Eh! Franchement, ça, j'ai kiffé. Les petits pièges là, je voyais pas dans quel contexte je pouvais les utiliser. Et bah au final, je trouve que on s'en est bien démerdé. Je déteste ces enfoirés. Ils t'ont eu? Non, j'ai rien. Des puants? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? Ces puants, ça me tue. Rien. Ouais, ils sont affreux. Ils sont dégueulasses. Plein de pustules là, ça me dégoûte. Prends ton temps. J'y suis presque. Ok. Hop. Voilà.
Bon, on pourra pas passer de l'autre côté, hein. C'était une fois et c'est tout. Franchement, on s'en est bien... En vrai. La voie est libre. En vrai de vrai, on s'en est bien sorti, non? Enfin, je trouve. Cool. Des puants. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdes. De ouf. Que veux-tu? C'est la nature. Ouais, ben la nature, c'est une sacrée connasse. Jolie répartie. Mais je suis plutôt d'accord. Dans ton cas, là, je suis plutôt d'accord. Vous avez pas eu trop de chance avec la nature. Vous avez pas eu trop de chance. Des matériaux, des matériaux... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le code c'est 152... Bon, suffit d'un 10, si t'arrives pas à trouver le reste, c'est que t'es pas le bon mec. Fais-toi plaisir. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Je pars pas sans. Tu as encore oublié le code, apporte-moi une canette et je te le donne. Ok. Bon, j'avoue, j'ai la flemme de... j'ai la flemme de lire. Il va y avoir... Ah, ok, c'est ici, d'accord, je vois. Voyons voir. Eh les gars, j'ai cherché pendant 20 minutes et j'ai enfin trouvé. C'était 15-243, c'était insupportable. Avec le chat, on galère depuis 40 minutes, c'est n'importe quoi. Mais c'est bon, on a trouvé. Oh putain, voilà, c'est bon, on y est. C'était chaud en vrai, hein. C'est magique. Tu sais que je t'aime, toi. Ok, alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En tout cas, c'est cool, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, hein. Bon, enfin, je dis ça pour l'instant, en vrai, y a pas de truc vraiment intéressant. Y a rien. Attends, les gars, vraiment? On a cherché un code pour juste ça? Ok, une balle de pompe, c'est génial. Ok. Putain, je m'attendais au moins à trouver un lance-flamme, quoi. Au moins, strict minimum. Ok, et bah écoutez, c'est tout. Putain, on aura galéré pendant 20 minutes juste pour trouver ça. Pff, oh là là, mec, sérieux. Hop. On y va. Alors. Oh merde, merde, merde. Encore? Encore? 1, 2, 3, 4, 5. Autant? Ok. Il est juste à côté. Ok, il est juste là. Impuant. Oh les gars là. C'est la rue. C'est la rue. D'accord. Il me fout archi la pression. Regardez-moi ce bâtard, il me fout la pression de ouf. Oh, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais quelle horreur. Mec, il m'a vu. Méfie-toi. Non, Rio, non, non, non. Tu la fermes. Celui derrière. Ça dégage. Merde, cours. Oh, ça va. Reste là. Reste là, j'ai dit, reste à ta place. Ok. Eh, je suis chaud en vrai, hein. En vrai de vrai, je suis pas chaud de ouf. Bah moi je trouve que oui. Je suis archi chaud, okay. Hein. J'ai bien envie de me casser d'ici. Same. Pareil. Hop. On s'en va. Ah, quelque chose me dit que ça va pas être aussi facile. Hein. Je sais pas pourquoi, je le sens pas... Je le sens pas de ouf. Ouais... Voilà. Ouais, on ressort comme ça aussi facilement? Enfin, aussi facilement. On a quand même pris tarif. Hein. Je dis aussi facilement, on a quand même pris tarif. Hein. C'était pas si facile. Hein. On s'est tapé une nouvelle race d'infectés. On s'est tapé avec des wolves. On a failli se faire rentrer rush par 12 000 zombies, les gars. Je sais pas, un accident de train, peut-être. Merci, Sherlock. Non, faut que je grimpe sur les trains, mais comment je fais? Ah non, faut que je passe par le wagon. Ok, j'ai compris. Par là, là, juste ici. Yes. Ok. Hop. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie.
Lena? Ouais, j'arrive. Ok, on récupère ça. C'est un bordel un peu les petits trains comme ça, putain, pour se repérer les gars, ça fait mal à la tête hein. Jules, encore? Eh Jules, il est partout les gars. C'est incroyable. J'espère toujours que tu arriveras à nous rejoindre, c'est incroyable le nombre d'infectés qu'il y a ici. Je commence à admirer Zachary, c'est un combattant hors pair, hors, au corps à corps. Il entend tous les petits bruits dans le noir, une vraie chauve-souris. Il prie aussi pour son père tout malade tous les soirs et se joint à moi quand je prie pour ceux que j'aime, surtout toi. Il y a une phrase pour Zachary, il y a une phrase que Zachary dit tout le temps, puisse-t-elle te guider. J'y pense à chaque fois que je me demande où tu es, peut-être qu'il existe quelque chose ou quelqu'un qui veille sur nous. Tu vas trouver que je déraille, mais puisse-t-elle te guider, Jules, dépêche-toi et fais attention à toi, Gray. Donc on a les Scars d'un côté avec Zachary, on a les Wolves avec Abby. On a et Isaac, du coup. C'est chaud quand même un peu, non? On se rapproche de la lumière. Hé, hey, je vais t'aider à monter. C'est un peu le bordel, ouais. Hein. T'as trouvé quoi? Ah d'accord, très bien. Ouais, comme ça on fait un maximum de bruit. Ça c'était marrant, c'était malin ça. Juste prendre ma main et m'aider à monter aussi. Fin... Ok. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Passe devant. Et mon arc là? On en parle ou pas? Il est où? Il est où mon arc? Oh, j'ai eu si peur! Ellie, ton masque. Ah bah voilà. Tiens, prends le mien. Non, 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 non. L'enlève pas, Dina. Stop, Ellie. Stop. Quoi? Non, Ellie, non. Arrête. Ah mais elle a pas compris encore. Je suis pas infectée. Je suis immunisée. Je tousse pas. Regarde. Ah bah là, tu vas être forcé de me croire. Dina, tu peux courir? Ouais. Oui. Alors, vas-y. Fonce. Elle me croyait pas. Hein. Elle me croyait pas. Oh, laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. Elle m'a pas tué la touche, elle m'a pas tué la touche. Ah, merde, merde, merde. Mec, vraiment? Vite, vite, mais prends, vite, mais au taf, bordel. Oh, c'est la rue, c'est la rue. Non, 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 non. Oh, cette pression. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Hey. Et si on se reposait dans ce théâtre? Ah. Oh, c'est une putain de bonne idée. Putain, j'espère que... Putain, j'espère qu'elle s'est pas fait de mort. Putain, me dis pas ça. Non, s'il te plaît, non, non. Hé, hey, Joël, ça m'a suffi, frère. Joël, ça m'a suffi. Non, 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 non. Pas de conneries, pas de bêtises. Arrête tes bêtises. Ok, d'accord, non, je pouvais pas rentrer. En fait, je peux juste me mettre sous le porche, en fait, ok. Ah, si, si, je peux rentrer, je peux rentrer. Attends là. C'est bon? Allez! Okay. Y'a personne. Viens. Ah, elle est épuisée, hein. Je crois que ça la secoue aussi un petit peu de savoir que j'étais immunisé, du coup. Une petite discussion s'impose.
Tu peux me dire ce qui se passe au juste? Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'avais dit, hein? Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. Mais elle est con. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles? J'ai été mordue et il s'est rien passé. Ça n'arrive pas à y croire. Attends pas. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Était. Toi aussi maintenant. C'est une grosse nouvelle, hein. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Aïe. Ah putain, pire délire. Oh non. Il est pas de toi, je te rassure. C'est rigolo ça. Elle fait de l'humour quand même. Oh là là, putain, pire moment pour avoir un enfant. Pire moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. C'est pour ça qu'elle vomissait. Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu faire demi-tour. Je savais rien, j'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Ah bah là... C'est pour ça qu'elle vomissait. Parce que les hormones, les gars, ça commence à devenir chaud pour elle, en fait. Oh putain... Je vais aller... m'assurer qu'il y a personne dans le coin. Alors ça, c'est le meilleur... C'est la moins bonne chose à faire, les gars. Repose-toi. Bah écoutez, c'est le moment d'organiser une petite baby shower, non? Au final. Oh putain. Oh, les gars, par contre, le coup de se séparer, c'est pas forcément la meilleure idée, en fait. Je suis pas forcément chaud pour faire mes bails de mon côté. Et c'est du sien. Elle a quand même tenté une petite blague, hein. Elle a eu raison, c'est pas ses crèmes. C'est pas ses crèmes. Du coup, elle est enceinte, à mon avis, de Jessie, puisque son ex et sont séparés la semaine dernière. Ah ouais, c'est chaud, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoutez, ça va être tendu pour notre petite... Dina. Parce que là, ça va commencer à être plus possible, en fait, qu'elle me suive. Donc, à un moment ou à un autre, on va se retrouver seul, en fait. Enfin, elle va devoir arrêter de nous suivre, parce que bon... Ah pauvre. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? C'est ouf, j'avoue. Enfin, je pense qu'elle avait un petit peu... Enfin, je sais pas, elle essayait... À mon avis, à ce moment-là... Quand tu comprends que, au final, tu aimes les femmes et pas les hommes, et que tu commences à comprendre que ton ex t'a mis enceinte, je pense que... Elle a pas voulu y croire, en fait. Elle a voulu juste ne pas accepter la vérité. Sauf que, le problème, c'est que, la vérité te rattrape toujours, quoi. Est-ce que vous voulez une blague? Les matériaux. Donnez-moi des matériaux, les gars. À chaque fois, je demande un truc, je l'ai pas, en fait. Je veux pas de matériaux. J'en veux pas. C'est bon, j'en veux plus. Changer d'avis, j'en veux plus. Ça sert pas à grand-chose, au final, hein. Une technique. Ils reviendront pas. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber. C'est pas ma faute. Et si je suis tombé malade, au moins, j'en ai plus de fièvre, mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. Il pleut sans cesse, mais au moins, je mourrai pas de soif. Ça, c'est pas une mauvaise chose, du coup. C'est pas comme si j'avais une réponse. De toute façon, le WLF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute et de Fedra. C'est pas possible. Faut que je continue d'essayer. J'ai rêvé qu'il riait alors que je vidais lentement de mon sang à cause d'une blessure par balle. Le courant est encore mort, j'ai monté sur le toit pour voir si je peux le relancer. D'accord, donc ça veut dire que je vais devoir monter sur le toit.
faire un peu d'Assassin's Creed, hein. Ah, c'est la fameuse radio, mais ouais, mais du coup, elle marche pas, il n'y a pas de courant. C'est vrai, hein, on s'en rappelle de ce moment où les matériaux coulaient à flot. Les matériaux étaient partout. On se retournait, bam, Les gars, je suis ravi. J'aime la vie. Le destin est parfois assez beau. Il suffit en fait que je dise que je veux pas un truc pour l'avoir. Eh les gars, je ne veux pas une AK-47. Je ne veux pas une AK-47. Je ne veux pas un arc. Vraiment, c'est les deux trucs que je veux le moins dans le jeu, quoi. Donc si jamais vous pouviez ne pas me les donner, ça m'arrangerait beaucoup. Théma, dans cet épisode, le prochain épisode, on a un arc, c'est évident, c'est sûr. C'est sûr. C'est la technique. J'ai compris. Il suffit de pas demander en fait. Quand tu demandes pas, on te refait. Putain, vous avez vu, elle a mis sa capuche. Vous avez vu le niveau de détail. Génial. Vous avez vu, regarde. C'est fou. Alors. Bon sang. Alors, toi, par contre, t'as pris le tarif, hein. Ah ouais, t'as pris le tarif. C'est pas ton truc, l'électricité. Ah non. Merde, je me suis foiré. Ok. Ok. Est-ce qu'on va contacter notre ville? Ah. C'est ça. Le destin est beau quand même, hein. Nickel. Très bien. Je prends, j'accepte. Maintenant, il me faut un établi pour que je crée le snipe. J'ai un mauvais pressentiment, mais genre... Genre vraiment. D'accord. Aïe aïe aïe, ça pue. Eh les gars, on se fait un ciné ou quoi? Qui est chaud pour une petite avant-première? Ah, les gens sont dégueulasses, regardez-moi ça. Par contre, lâche ce cocktail Molotov, Ellie. C'est pas le moment de prendre le cocktail Molotov en fait. Qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Ok, c'était un concert. Très bien. Putain, je le sens pas. Elle est pas seule. J'y crois pas. Ah non, ok, une guitare. Eh les gars, je suis devenu parano, hein. Je suis devenu archi parano, hein. Mais frère, pourquoi est-ce que tu restes aussi loin de Dina? Va à côté d'elle! Meuf! Non, c'est pas loin de taper la meilleure musique de ta vie ici! Écouter. À mon avis, on va avoir un flashback. Ouais, je m'en doutais. 3 ans plus tôt. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Super. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Mmh.
Elle commence à faire trop bizarre de l'avoir aussi jeune maintenant. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. Ouais, j'avoue. Ouais. Est-ce que c'est un éléphant? Voir Joël, ça fait mal au cœur. Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? La relou, putain. Tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors pourquoi? Avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Oh. Très bien. Elle sait pas nager, non? Ah si, elle sait nager maintenant. Il lui a appris du coup, trop mignon. Je me doute, elle a appris. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. L'ancêtre. Ouais, la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Oh. Ah, elle a appris, ouais, un petit crawl, hein. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens. Repousser l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ils sont trop mignons tous les deux, putain. Viens là, regarde un peu ça. Tu vois, tu le vois juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait. Là. Hey, une balle partout, un point partout, balle au centre, hein. Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein. Eh ben, en fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé, t'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Ils sont trop mignons, putain, tous les deux. Ah, elle a fait une bombe. Excellent. Ah, oh, ils sont adorables, ils sont trop, ils sont vraiment super chou, quoi. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Putain, ça me brise le cœur de les voir tous les deux comme ça, ça me... Oh là là, c'est triste, putain. À la fois, je trouve ça trop mignon, et à la fois ça me touche, et à la fois ça me rend super triste, quoi. C'est deux sentiments qui sont... qui sont super opposés, et... C'est fou. Est-ce que c'est... mon prof d'histoire de 6ème qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, ils nous énervaient quand ils traitaient les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Personne supporte les cons. On les aime pas. Allez hop, on y va. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Je kiffe trop, c'est beau, hein, l'eau. Est-ce que c'est une nouvelle paire de baskets? Parce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Je kifferais trop pouvoir me baigner dans un endroit comme ça. C'est magnifique. Tellement pur. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Ils ont tellement une relation de... Est-ce que c'est une énorme collection de BD? Non. Attends. Une collection de DVD? De papa et de sa fille, c'est trop mignon. Oui. Mais, laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Putain, c'est trop beau, quoi. J'aimerais trop me battre. Oh là là, waouh! J'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise! Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure! Ah, on n'a jamais vu, c'est trop mignon. Waouh.
Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Il est énorme. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans son journal ? Ah, elle a pas mal de trucs déjà. Hein. Ah oui, elle dessine et tout, c'est trop mignon. Ok, elle a écrit quoi ? Je déteste la ferme, je vois pas pourquoi tout le monde veut faire ça. Note pour plus tard, demande à Maria quand je pourrais m'inscrire à la formation au patrouille. Aujourd'hui, Dina et moi, on est tombés sur un camp abandonné. Elle m'a dit que des enfants venaient s'amuser ici l'été. On a trouvé du matériel d'art plastique. Elle a découpé des feuilles de couleur pour nous faire des couronnes pendant qu'il pleuvait. C'était une bonne journée. Ok, ensuite. On y est. Joël m'a dit qu'il emmènerait camper la semaine prochaine pour mon anniversaire. Il a dit qu'il a trouvé un truc qui va me plaire. Il a télé... Ah ! Son anniversaire ? C'est le jour de son anniversaire ? Je sais pas. Peut-être. Kat s'est assise à côté de moi pendant le film, nos coudes se touchaient. Je crois peut-être qu'elle le faisait exprès, j'en sais rien, peut-être pas, probablement pas. Ah là, c'est quand elle avait un crush sur la tatoueuse. Dina m'a fait une couronne pour mon anniversaire, elle est retournée au camp pour chercher du papier, c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est son anniversaire, ça se trouve. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit ? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. Non, c'est quoi ? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Il lui fait une petite visite au musée, c'est trop mignon. Waouh, génial. Tu veux l'essayer ? Pas du tout. Comme tu veux. Je trouve ça adorable. C'est tellement touchant. C'est tellement touchant. Et à la fois, ça brise le cœur, putain. Ils sont adorables, tous les deux. Oh, regarde-moi ces griffes. Et toi, avec son petit tract et tout. Son petit chapeau, son petit tract. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Ah, oh, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Non. Joël, c'est pour toi. Très drôle. J'adore la relation taquin qu'ils ont tous les deux. Je trouve qu'ils sont trop touchants. Mais oui, j'avais compris. Ok. J'aime bien tous les pics qui se lancent et tout. Ça me tue. Ils sont adorables. Ok. Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film ? Eh bah ouais, mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Est-ce qu'il parle de Jurassic Park ? Wouah. Petite tête. Joël, regarde. Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. Team chapeau-zor. Le chapeau-zor. Triceratops. Triceratops signifie tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Diplodocus, il est immense, les gars. Ah non, c'est un brachiosaur. Non, c'est brachiosaur, c'est pas un diplodocus. Le diplodocus, il est plus grand, je crois. Ou alors ça, c'est le diplodocus ? Non, c'est brachiosaur, ok, d'accord. Bah, il est gigantesque, les gars. Le brachiosaur mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes ! Il y avait une scène où, en fait, un des personnages dit « C'est vraiment un gros tas de merde. » C'est quoi ce film ? Et quand est-ce qu'on le regarde ? Tu sais quoi ? Quand on rentre à Jackson, soirée film. Le nom Gallimimus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms ? Les scientifiques.
Bah, ils sont nuls. Ah, je les regarde tous, les gars, je les regarde tous. Hein. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Oh waouh! Avec le joystick, je peux gérer les grimaces. Incroyable! C'est génial, regarde cette tête! Salut, je m'appelle Bobby, tu veux être mon ami? Ça me tue, putain, c'est génial! Sa grosse tête. Oh, une carte! Même dans les flashbacks, on peut récupérer des cartes, d'accord. Ici, on l'a vu. Donc on avance par là-bas. Ah, petite séance dinosaure, petite séance jurassique aujourd'hui pour ce live, pour cette fin d'épisode pour YouTube en tout cas. On part sur un petit peu de... Ouais, un petit peu de... De musée. Un petit peu d'histoire. Encore ? Partout, ce chapeau. Un peu plus classe, un peu plus propre. Celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh. Pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Alors, sur votre droite, vous pourrez trouver des énormes têtes. L'épaisseur de son crâne à lui. Oh, le tyrannosaure, il avait un crâne, les gars. Il ressemble un peu à Tommy. Bâtard. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. De ouf, disrespect. Souvent, hein. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Hé hey. Un chapeau-sort. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois. Oh, ça va être joli ça, à mon avis. Oh wow. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Hé, Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est génial comme moyen de technique. De où? C'est archi bien trouvé, les gars. Pourquoi est-ce qu'on va prendre ça à l'école? Mon tonton joue sur un vieux piano, c'est ça? Mais c'est génial! Ah ouais, moi, on me prenait des trucs claqués pour apprendre des choses. Très bien. Hé, Joël. Quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Ah bah ça, je sais. C'était un singe. Ah, on vous a appris ça? Putain, bon, moi, j'ai jamais appris ça, les gars. En 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futée. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. C'est mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano, c'est ça? C'est génial! Je savais pas qu'on apprenait ça, putain, j'aurais trop aimé qu'on apprenne ce moyen de technique, je trouve ça super intéressant. Trop génial! Il est où le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Il est mignon le flashback en vrai. En plus, il est long, t'as vraiment plein de trucs à apprendre, c'est génial. Wow.
Eh non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. Non. C'est vrai. Je vais lui donner un... Je suis bête. Comment ça s'appelle un casque de cosmonaute? C'est génial. Oh, regarde. Ah, je pouvais... Ah non, je pouvais choisir celui que je voulais. Bon, moi, j'ai pris celui-là, écoutez. Trop cool. Je pensais pas que je pouvais choisir. Je peux changer si je veux? Ça pue pas trop là-dedans. Ça sent l'espace. Et la crasse. Je peux changer ou pas? Ah oui, moi je veux lui. Ah, c'est génial, vous imaginez, enfin, c'est ouf ce qu'ils ont fait avec ce jeu, putain, genre, enfin, c'est tout bête, mais tu peux changer de casque, quoi, enfin, c'est ouf, sérieux. C'est incroyable comme détail, tu peux changer de casque, de scaphandre, c'est ça, scaphandre, c'est génial. Après toi. Attention à la tête. C'est génial. C'est dingue. Oh. Ok. Wow. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. Ah, c'est son anniversaire, c'est bien c'est ça. Ça, ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. C'est génial, c'est trop mignon. Ah, elle a un truc de... qui lit les cassettes. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. C'est trop mignon. Alors qu'à 0, on va revenir dans le présent. C'est génial ce qu'ils ont fait, c'est génial. Ça continue en vrai, mine de rien.
le flashback est plutôt long. Hein. Mais on va s'arrêter là du coup pour YouTube. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ça aurait été un épisode vraiment gros, hein. Assez calme, assez chill au final. Mais lourd en révélation, pour le coup. On a eu pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de The Last of Us Part 2. Des gros bisous, à très vite et passez une très très bonne journée ou soirée. Salut.